Excusez-moi, monsieur, je peux passer devant, j'ai juste un article. Ah oui, bien sûr, allez-y. Merci, merci. Dites donc, monsieur, ça fait une personne de plus. Pardon ? Ça fait une personne de plus et moi, je suis pas d'accord. Oui, mais elle a qu'un article. Mais si tous les gens qui n'ont qu'un seul article vous passent devant, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, c'est pas grave. Allez-y, je suis pas pressé. Capitaine Briard, Max Bougeot. Max Bougeot, capitaine Briard. Votre ami est délégué syndical. Je suis arrivé au moment où il entamait une petite discussion avec ses camarades. Ouais, sauf que ça a dégénéré un peu quand je leur ai dit que ce cher Max avait des rendez-vous réguliers avec Maître Gens. J'allais leur expliquer, mais... Je crois que ça leur a pas plu. Connard, cet avocat. On avait rendez-vous ce matin et il vient pas. Quand je vais le choper, il va m'entendre, tiens. Vous allez l'attendre longtemps. On l'a retrouvé avec une balle dans la nuque. Mais dites-moi, c'est un vrai Cerbère, hein ? Syndicaliste casseur de préfecture, traître qui négocie en douce, et pour finir, assassin. Pas mal, hein ? Mais attendez, moi j'ai buté personne, hein ? Oui, sauf qu'on a retrouvé vos empreintes dans sa voiture. Quoi ? Sa voiture, c'est son bureau quand il vient à Lyon. Alors c'est là qu'on se voit ? Oui, et alors ? Écoutez, en fait, je l'ai aidé à vendre le plan de licenciement aux ouvriers, en échange d'un boulot avec un nouveau patron. C'est pour ma famille. Ma femme a été licenciée il y a 3 mois. Mes 2 filles cherchent du boulot, alors je peux pas leur faire ça. Mais j'ai pas tué Jean, ça. Je suis pas un meurtrier. N'importe quel abruti peut libérer le canari de sa grand-mère et revendiquer l'action au nom de l'AEF. Ils se regroupent pour des actions ciblées et ensuite chacun retourne à sa vie. Vous les surveillez pas ? Oh, pas vraiment. Nazion, Barbu, Black Blocks, on a d'autres priorités. Filature n'ont rien donné ? J'écoute non plus. À part ses gonzesses, rien à signaler. Ouais. T'es sûr qu'il part demain ? Je vais vérifier. 2 billets pour Turin. Du nouveau ? Ça chauffe. S'en occupe ? Ouais. Équipe 3, vous suivez la fille et vous l'interpellez discrètement. Et lui ? On y va. Équipe 2, vous êtes toujours là ? On va bouger. Ça risque de sortir de votre côté. Et il sort de nulle part, ce groupe. Et vous, c'est pas votre boulot d'intervenir en amont pour signaler les nouvelles menaces ? Mais vous savez parfaitement que les animalistes ne font pas partie de nos cibles prioritaires. Eh bien, il semblerait que c'est changé. Mais il faut arrêter, là. C'est pas un attentat, c'est juste un incendie qui a mal tourné. Attendez, cette fois-ci, oui. Et la prochaine fois, hein ? La prochaine fois. Si on n'agit pas vite et fort, vous pouvez être certain qu'on va se retrouver avec des atteintes aux personnes. Enfin bon, vous verrez ça avec vos chefs de service, hein. Moi, messieurs, je me fous de savoir qui a merdé, je m'en fous. Ce que je veux, c'est des résultats. Pour commencer, vous allez me coller une surveillance rapprochée pour tous ceux qui étaient avec la Veto au supermarché. Je veux un rapport de leurs moindres faits et gestes chaque matin sur mon bureau, ok ?